Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 20 février 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle semaine boursière. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Bien sûr, je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, poser vos questions. Et je vous rappelle aussi, comme toujours, quand vous inscrivez en ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-titres présente un risque de perte en capital. J'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et bonjour à Luc, Lagdar, Catherine, Thibault, Pierre-Yves et toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes présents sur le chat, donc n'hésitez pas, je le répète, à réagir bien sûr, à me dire ce que vous pensez des stratégies que je vais évoquer aujourd'hui et à poser toutes vos questions. Alors, volatilité faible, hier c'était un jour férié aux États-Unis, je le rappelle, donc les marchés américains étaient fermés hier, mais toutefois il y a des stratégies, du moins des configurations très intéressantes sur le marché du Forex, notamment. Alors on va débuter avec un mot sur l'euro-dollar, ensuite je vous ferai part. Voilà, de trois actifs pour lesquels j'ai une opinion assez claire, une stratégie assez claire. Je vous en parle dans un instant. Alors, l'euro dollar, techniquement, c'est assez propre, puisqu'il y a un repli sous les sommets, comme vous le voyez, sous ces sommets, voilà, aux alentours des 1,25 et 26. Le marché, donc, a échoué, replié et a retracé 23,6% selon les niveaux proposés par Fibonacci. Donc le cours teste ce seuil de Fibonacci qui joue pour le moment un rôle de support, qui a joué d'ailleurs aussi un rôle de support et de résistance d'ailleurs, comme on voit sur ce graphique au mois de janvier. Mais c'est également cette droite de tendance qu'il faudra surveiller selon moi, droite de tendance qui a été formée lors de la séance du 18 décembre dernier et qui pourrait également faire réagir le taux de change euro-dollar. Donc le taux de change euro-dollar a certes échoué, se replie, il poursuit d'ailleurs son repli malgré une bougie qui ressemble à un doji hier en données journalières. Mais voilà, il retrouve une zone de support située donc entre ce seuil horizontal à 23,6% de Fibonacci et de cette droite de tendance haussière. Donc je pense en effet que le marché pourrait travailler cette zone sur du très court terme et ensuite un rebond sur finalement cette zone de support me paraît probable. Je dirais selon la théorie de l'analyse technique, comme vous le savez, les supports sont là pour faire rebondir le marché. Donc je pense qu'un rebond en direction des 1,25-26, en tout cas de ce sommet annuel, me paraît envisageable sur le taux de change euro-dollar. Alors bien sûr, une cassure de cette droite de tendance haussière peut également arriver, bien évidemment, et cela relancerait finalement une dynamique et un risque baissier sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc pour mon plan trading euro-dollar. Je vais passer à présent aux trois graphiques qui me paraissent vraiment intéressants. Le premier, c'est l'euro AUD, pour lequel ma stratégie, c'est une stratégie court terme, mais ma conviction est forte. Ma conviction est forte et elle est basée sur l'analyse technique. Alors un mot tout d'abord sur l'analyse fondamentale, puisqu'il y a eu la nuit dernière l'intervention de la RBA, la Banque centrale d'Australie. Intervention, bon, bien sûr, plutôt prudente, en raison notamment d'un risque désinflationniste, je dirais, en Australie. En tout cas, donc le rythme de l'inflation inquiète la RBA, bien qu'elle soit optimiste vis-à-vis de la croissance lors des prochaines années. Je vous invite à retrouver un article de Valentin en France sur dailyfx.fr. Alors, concernant l'analyse technique à présent, le cours fluctue à court terme, fluctue depuis l'entame du mois de février à l'intérieur d'un magnifique range. Vous voyez ce range en données journalières notamment entre les 1,5750 et 1,56345. Le marché rebondit, le cours rebondit. Et il tient d'ailleurs son niveau de support, bien que ce matin il ait été mis sous pression. Et donc, ce support tient, et je pense qu'il pourrait tenir, au vu justement de la solidité de ce niveau de support. Et donc, c'est la raison pour laquelle un retour à court terme sous les 1,5750 me paraît probable,
pour le taux de change euro à l'idée. Voilà donc ma première stratégie pour laquelle j'ai une conviction assez forte. Alors bien sûr, une cassure, une clôture en données journalières sous ce support à 1,56345 invaliderait cette stratégie. Mais pour le moment, cette stratégie tient. Je dirais même, voilà, ce scénario sera validé en la cassure de ce point bas à 1,5607. D'ailleurs, si on affine en données 4 heures, on retrouve ce magnifique support, où on a une zone de support entre les 1,56345, donc que l'on retrouve avec voilà le point bas que j'évoquais il y a un instant à 1,5610. Donc objectif haussier à 1,5750 pour l'euro à l'idée et c'est une stratégie qui est basée sur l'analyse technique, vous l'avez compris. Autre stratégie, c'est toujours une paire en euros. D'ailleurs, c'est une paire avec laquelle il y a une corrélation positive, une importante corrélation avec l'euro à l'idée. Il s'agit de l'euro NZD. L'euro NZD qui, comme vous le voyez sur mon graphique, fluctue sur un double niveau de support majeur, puisqu'il s'agit d'un double niveau de support que l'on retrouve en données hebdomadaires. Donc là, voilà, stratégie également haussière pour viser à court terme, en tout cas un swing trading plutôt, un retour sous les 1,7080, ce sommet, vous voyez, cette résistance qui a été formée lors des dernières, si on regarde les dernières bougies. En tout cas, voilà, il y a un canal haussier. Au-delà du canal, il y a cette oblique, donc cette droite de tendance haussière qui soutient le cours et également ce magnifique support horizontal à 1,7784. Donc, c'est la raison pour laquelle un rebond en direction des 1,7080 me paraît aussi probable et c'est sur du voilà, swing trading moyen terme puisque nous sommes en données hebdomadaires. Et vous l'avez compris, bien sûr, une cassure d'un 1,7784 en données hebdomadaires invaliderait cette stratégie et procurerait au cours un risque baissier. Enfin, autre stratégie. Alors hier, j'ai parlé du GBP Yen dans mon nouveau webinaire, et d'ailleurs je vous remercie parce que vous étiez encore une fois nombreux, c'était plusieurs hein, sur le webinaire hier, à retrouver chaque lundi à 16h. J'ai donné ma stratégie de la semaine sur le GBP USD, donc je vais y revenir simplement brièvement pour assurer un suivi. Le GBP USD, qui lui, voilà, finalement, voilà, rebondit finalement, a entamé son rebond sur cette zone de support. Composé, cette zone de support correspond, composée, pardon, des 147,38 et de cette oblique haussière. Et c'est également des niveaux de support en données hebdomadaires. Donc, je maintiens du moins ma cible à 152,50. Mais c'est également donc ma troisième stratégie dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est l'euro-yen. L'euro-yen, proche d'ailleurs du GBP-yen en termes de corrélation. L'euro-yen qui rebondit, comme vous voyez, sur un très joli niveau de support à 131,65. Et comme c'est indiqué sur mon graphique, il s'agit d'un support que l'on retrouve en données hebdomadaires. Allez, ancienne résistance, support désormais. Donc, je maintiens ma cible également à 134,45. Voilà donc mes trois stratégies, trois nouvelles stratégies. Donc, que nous surveillerons tout au long de la semaine, soit via les réseaux sociaux, sur Twitter, ou également lors de ces points de marché. On analysera, et on fera un suivi de ces stratégies. Mais en tout cas, voilà, sachez que ma conviction est forte. Bien sûr, elles peuvent être invalidées. Je vais donner les points d'invalidation. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, je dirais que ces stratégies sont les stratégies finalement données par l'analyse technique, puisqu'en fait, ce sont le marché. On voit qu'il y a plusieurs paires hein, du Forex, plusieurs paires de devises qui sont posées sur des niveaux de support. Et donc, c'est en effet potentiellement intéressant à surveiller. Voilà donc pour le Forex. Je vais poursuivre avec le CAC et DAX. Si vous souhaitez hein, que je revienne sur d'autres actifs, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Alors, le DAX. Je vous invite aussi à retrouver un article que j'ai publié ce matin sur le DAX et le CAC sur dailyfx.fr. Le DAX qui a échoué hier, du moins qui s'est replié à l'approche de cette résistance
court terme, formé à court terme à 16 620 points, mais on voit qu'il y a un rebond immédiat, quasi immédiat, sur un support. Vous voyez que tente de former à court terme le DAX à 12 400 points. Pour le moment, le DAX tente de tenir les 12 400 points. Alors, en intraday, ma stratégie est neutre. Pourquoi? Car comme vous le voyez, le DAX est en plein milieu d'un trading range, en plein milieu d'un rectangle. Donc, pour gérer son risque, c'est impossible. Car du moins, pour optimiser son risque, c'est la raison pour laquelle j'attendrai soit un retour du DAX sous les 12 620 points, qui est selon moi probable. Je pense que le DAX, lors des prochaines séances, pourrait tester ce seuil à 12 620 points. Et ensuite, ce sera un marché décidé, entre guillemets. C'est-à-dire, un échec serait possible sous les 12 620 points, auquel cas, un risque de trading range et donc de retour sur les 12 143 paraîtrait cohérent et probable. Mais voilà, je pense que le DAX, à l'image des indices boursiers mondiaux, est entré dans une phase de retracement, de correction de son importante baisse de début de mois. Alors, je vais simplement remettre les seuils de Fibonacci. Vous voyez, donc là, il teste les 38,2%. Vous voyez, donc c'est intéressant de surveiller ces niveaux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater hein, qu'est 12 620 points, cette résistance est située très proche du seuil de retracement à 50% selon de Fibonacci. Donc voilà, cela confirme finalement mon opinion sur laquelle le DAX pourrait préserver les 12 400 points et atteindre lors des prochaines séances, du moins tester, travailler et se rapprocher lors des prochaines séances des 12 620 points. Configuration logiquement similaire pour le CAC 40, dont voici mon graphique. Le CAC qui s'est replié hier sous les 5 300 points. Mais vous voyez, lui aussi tente de former un niveau de support sur les 5 260 points. Donc je pense qu'un prochain test, du moins un nouveau prochain test des 5 300 points, voilà, me paraît envisageable et probable sur le CAC. Il en est proche en effet. C'est la raison pour laquelle finalement le CAC et le DAX sont sous des pivots. Voilà. Ils s'approchent, ils travaillent des pivots. Des pivots donc dont la particularité est de faire balancer le cours d'un marché ou de l'autre. Donc en l'occurrence, soit provoquer un échec, auquel cas du coup provoquer un risque baissier, procurer un risque baissier sur les cours, soit au contraire, en cas de franchissement, procurer une nouvelle dynamique et un potentiel haussier sur les marchés. Donc configuration aussi intéressante hein, sur les indices, bien que le moment ne soit selon moi pas le plus opportun, mais tout de même, il faudra surveiller les éventuels prochains tests de résistance pour les indices donc CAC et DAX. Voilà pour ce tour d'horizon. Je passe aux questions car je vois que vous êtes quelques-uns à réagir sur le chat. Alors Caroline qui demande une stratégie court terme sur le GBP/Yen. Alors c'est vrai que le GBP/Yen, j'en ai parlé hier, j'en ai parlé encore un petit peu aujourd'hui brièvement. C'est vrai que c'est sur du swing trading moyen terme, mais à court terme finalement cela reste la même chose. Je suis haussier. Vous voyez le marché s'en rapproche. Donc à court terme, je maintiens mon opinion haussière. Voilà, je pense qu'on ne peut pas dégager, en tout cas moi je ne peux pas dégager de stratégie baissière sur cette oblique. Il y a une belle oblique de long terme qui soutient le marché. Et donc je ne peux pas finalement, je ne peux pas dégager de stratégie baissière, d'autant plus que vous voyez, on donnait 4 heures. Il y a un support qui est en train d'être formé sur les 148,86. C'est J'ai même l'impression qu'il y a une épaule, tête-épaule inversée, vous voyez. Donc, comme j'ai expliqué, ma stratégie est haussière et je vise les 152,50. Alors, Pierre-Yves qui demande un mot sur l'USD-Yen. L'USD-Yen qui rattrape, qui retrace son importante baisse
importante baisse hein, depuis maintenant 2 mois environ, depuis même plus que ça, hein, depuis mois de novembre d'ailleurs, et ce point haut atteint tout juste sous les 115 yens. Donc dynamique bien sûr baissière, mais vendredi, il y a eu la formation d'un marteau en données journalières. Marteau dont la particularité est d'être considéré comme une bougie de retournement à la hausse et qui procure donc ses premiers effets. Et là, en effet, l'USD-Yen, après être sorti par le bas de son immense range entre les 114,50 et les 108,55, et après avoir cassé également ce point bas atteint au mois de septembre dernier à 107,32, teste de nouveau, teste ce seuil. Donc un risque de pullback est envisageable, je m'en serais cohérent sur l'analyse technique, mais au vu du retracement du yen, et on l'a vu également sur les autres paires en yen, que ce soit l'euro-yen ou le GBP-yen, il y a selon moi un risque baissier sur le yen. Donc je pense que l'USD-Yen pourrait poursuivre son retracement jusque les 108,55, qui n'oublieront pas, et l'ancien niveau de support majeur sur ce taux de change. Voilà. Ensuite, bien sûr, un pullback sous les 108,55 n'est pas à exclure, mais en tout cas, je pense qu'un prochain test des 108,55 me paraît probable sur ce taux de change. Une autre paire en yens, me demande-t-on sur le chat. C'est Thibaut qui demande mon avis sur le CAD yens. On en parlait justement avec Valentin cette semaine, puisqu'il s'agit donc d'une des stratégies de Valentin notamment. Alors le CAD yens, voici mon graphique. Alors, où est-il? Je vous demande juste un petit instant. Le voici. Le CAD yens rebondit. Le CAD yens rebondit. J'ai enlevé simplement les Bollinger pour que mon graphique puisse paraître plus clair. Alors, comme le disait pardon, Valentin cette semaine, le CAD yens est sur un niveau de support. Vous voyez, proche des 84. Et il y a un rebond. Il y a un rebond. Donc, au vu du risque baissier sur le yen, je pense que le CAD yen pourrait poursuivre, du moins prolonger son rebond en direction des 86. Il y aura d'abord ce test, ce creux finalement du 11 août à 85,47. Mais voilà, je pense qu'il y a un potentiel aussi à court terme sur le CAD yen au vu de la faiblesse du yen. Maintenant, pour être franc avec vous, voilà, je pense que si vous souhaitez vous positionner sur le yen, je pense voilà, qu'il y a des configurations plus intéressantes, que ce soit sur le GBP yen ou l'euro yen. Alors quand je dis positionner, c'est bien sûr dégager une stratégie. En tout cas, voilà, je pense sur qu'il y a un potentiel haussier, mais la configuration technique me paraît plus intéressante sur l'euro yen et sur le GBP yen. Pierre-Yves qui demande un mot sur l'USD-Yen, je viens de l'évoquer il y a un instant. Je pense voilà, qu'il y a un potentiel de rebond. Je pense que le cours pourrait prolonger son rebond. Et je regarde peut-être les autres questions, les dernières questions qui arriveraient. Alors le temps, peut-être que les dernières questions arrivent, je vous rappelle simplement que l'on se retrouvera jeudi à 14h30 pour la suite de ces stratégies. Et également vendredi à 10h30, comme vous le savez, le webinaire du vendredi a été avancé au matin à 10h30. Alors Pierre-Yves qui demande un mot sur le Dow Jones. Merci hein, de réagir sur le chat et pour vos questions. Alors le Dow Jones, je rappelle que Wall Street était fermé hier. Et le Dow Jones, graphiquement, vous voyez le seuil à 61,8% de retracement de Fibonacci, qui fait une nouvelle fois parler de lui. Vous voyez le cours qui a retracé 61,8% de cette impulsion baissière, qui a rebondi sur cette zone de support, entre les 23 250 et 23 600 points, et le cours se replie sous
sous les 25 316 et donc les 61,8% de Fibonacci. Donc un pullback sur les 50% de Fibonacci à 24 900 quasiment, 24 900 me paraît envisageable. Pourquoi? Car d'une part, il s'agit du seuil de retracement à 50%, d'autre part, vous voyez, d'un ancien sommet, situé proche d'ailleurs il s'agit d'ailleurs d'une ancienne résistance qui peut désormais jouer un rôle de support. Donc je pense en effet que Wall Street, comme je l'ai expliqué sur le CAC et le DAX, pourrait rebondir et tester de nouveau ces niveaux de résistance, notamment à 25 316, d'autant plus que 24 800, 24 900, pardon, est un seuil assez psychologique, assez symbolique. Il est proche d'ailleurs des 25 000 points. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le Dow Jones pourrait tenir cette zone de support et repartir à la hausse. En tout cas, une cassure des 24 900 invaliderait cette stratégie. Voilà, merci, merci mon cher Luc. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur le chat et d'avoir été présents sur le webinaire. Alors, comme je l'ai expliqué, on se retrouve en direct jeudi à 14h30 et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @YoavNizar. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Au revoir.